Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette critique sur Life is Strange. Life is Strange sorti en 2015, format épisodique, développé par Dontnod Entertainment et édité par Square Enix. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Je ne vous apprends rien qu'il a fait un putain de carton. Et je ne vous apprends rien en disant que bordel de merde, j'adore ce jeu. Alors cette critique, à quoi va-t-elle servir? Parce que ça fait bordel de merde beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait de critique, et pourquoi en faire une sur ce jeu? Alors tout simplement, déjà, c'était à la base pour essayer, en fait, moi-même, de comprendre pourquoi j'aime ce jeu, parce que moi-même, je ne comprenais même pas pourquoi j'aimais ce jeu. Donc attention, cette critique spoil. Je ne vais pas me ménager pour ne pas spoiler. Alors, cette critique sera séparée en trois parties. Pour essayer déjà de me structurer et que je ne parle pas trop dans tous les sens, même si ça va être sûrement le cas. Nous allons d'abord parler du déroulement du jeu. Pourquoi est-ce que Life is Strange est un jeu intéressant à jouer? Ensuite, nous allons partir sur de l'analyse. Donc, deuxième partie avec le personnage de Max. Et aussi, surtout, la dernière partie, on parlera du dénouement. Parce qu'il y a 40 milliards de choses à dire sur cette putain de fin. On va essayer de s'arrêter dessus pour savoir est-ce que le dénouement du jeu est-il vraiment le meilleur de tous les temps. Et, spoil, effectivement, c'est la meilleure fin de tous les temps. Donc, nous allons tout de suite, pourquoi pas, commencer par parler de... Alors là, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et donc là, je vais laisser une petite citation de Brooke. Hi Max, making your daily rounds. Et c'est exactement ça en fait, la vie, c'est une grande promenade finalement. Alors l'ambiance du jeu, je la comparerais avec celle de Twin Peaks, car de toute façon, c'est une référence avouée. Hein. Donc ouais, c'est ce côté un peu justement, tout est parfait, tout est beau. On a une ambiance très calme, mais mélangée avec ces éléments perturbateurs et ce mystère finalement autour de plusieurs choses étranges. Et ça, je trouve, bah, c'est un mélange qui fonctionne parfaitement. Alors évidemment, on est loin de Twin Peaks. C'est un peu le Twin Peaks, mais à Arcadia Bay, dans une ville où tout le monde se connaît, et pourtant personne ne se connaît. Ça me fait penser un peu à Twin Peaks, voilà, où ce mystère finalement reste très longtemps dans l'histoire, et voilà, on a envie de savoir la suite, appuyé par ces cliffhangers et ces teasers en fin d'épisode qui sont juste magiques, qui juste durent quelques secondes et te donnent carrément envie d'aller faire la suite. Contrairement aux bandes-annonces de The Walking Dead entre deux épisodes qui sont, disons-le tout de suite, du foutage de gueule, hein, des trucs de 3 minutes qui te spoilent la moitié de l'épisode. Désolé, Telltale, mais ça ne sert strictement à rien à part me faire chier. Alors, le rôle de la musique dans le jeu est très très important, car d'un côté, elle apporte une part de calme, de contemplation aussi. J'ai remarqué au fil du jeu que les musiques se lançaient en général justement pendant des moments contemplatifs et qu'elle n'était pas si présente que ça au final. Au début, je croyais vraiment qu'elle était vraiment limite omniprésente, mais finalement, il y a beaucoup de moments où il n'y a pas du tout de musique, même dans des moments très importants comme à la fin de l'épisode 2 où Kate se suicide, bah, il n'y a pratiquement pas de musique. Ou même à la scène de l'euthanasie où encore une fois, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, c'est justifié par les développeurs. The absence of score and music is also very important. We want it here to stay realistic and not overdramatize this moment with music. Et sinon, voilà, il y en a d'autres, voilà, qui ont cet aspect très mélancolique, mélange de tristesse mais aussi d'optimisme, et ça fait ressentir des émotions très intéressantes. D'ailleurs, au début, je pensais, puisque vu que la musique est justement très puissante, dans le sens où bordel de merde, à chaque fois que j'en écoute une, j'ai la larme à l'œil, alors rien que de les écouter, mais je m'étais même dit au début, en fait, l'émotion passait justement que grâce à la musique, mais quand j'ai fait le début de l'épisode 4, il y a pratiquement pas de musique sur certains moments, alors que je trouve les scènes très fortes. Donc, non, les musiques ne sont pas du tout manipulatoires, c'est pas ça qui fait que le jeu est émouvant. Mais ça participe grandement à l'émouvance. Alors dans ce jeu, on a droit à quand même des objectifs de fou, comme je dois prendre mes affaires de toilette et aller me doucher. Non mais franchement, ça fait quand même plaisir d'avoir ce genre d'objectif dans un jeu vidéo, car c'est là qu'on voit toute la quintessence que peut avoir un jeu dans sa diversité des objectifs. Non mais voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les objectifs en eux-mêmes ne sont pas intéressants à exécuter, mais c'est le déroulement de cette situation qui est intéressante. Genre par exemple, chercher 6 bouteilles dans une décharge, tu dis aucun intérêt. J'avais essayé de lister justement tous les objectifs ou toutes les énigmes du jeu, eh bien j'ai remarqué que ces énigmes sont des prétextes finalement pour fouiller une zone. Et même voilà, le fait d'avoir des objectifs secondaires comme prendre des photos de certains trucs, ça te force à fouiller et à chercher où est-ce qu'il faut prendre cette photo. Tout est prétexte dans ce jeu à essayer justement de fouiller un maximum et de justement interagir avec les personnages ou interagir avec les affiches, les objets, et ainsi entendre les pensées de Max, ce qui améliore le background du jeu. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes dans les commentaires des développeurs, ils font de environmental storytelling, donc de la narration par l'environnement. Et c'est voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un jeu où le challenge n'est peut-être pas très présent, mais le jeu vidéo, ce n'est pas que du challenge, mais c'est aussi cette narration qui se fait par l'environnement qu'on ne pourrait pas faire dans un film où justement ici on peut placer des objets, justement le joueur doit chercher ces objets pour comprendre mieux ce background qu'il y a autour de l'univers du jeu. Par contre, faire le jeu trop rapidement enlève complètement l'intérêt du jeu. Et surtout, refaire le jeu après l'avoir déjà fait, je trouve vraiment pas ça intéressant, parce que c'est un peu la découverte, surtout Life is Strange,
et tu ne peux pas redécouvrir quelque chose que tu as déjà découvert. Et surtout, voilà, en ce qui concerne les choix, alors c'est un intérêt juste pour voir qu'est-ce qui se passe si tu fais les autres choix que t'as pas fait avant, quelles conséquences ça a. Sauf que le problème, c'est ce n'est plus tes choix, donc tu n'as plus d'implication dans ces choix. Tu prends juste ces choix parce que c'est l'inverse de ce que tu avais mis avant. Et même justement, si tu reprends tes mêmes choix avant, comme ça tu te dis, ah bah je suis impliqué dedans, mais ça sert à rien non plus, puisque tu sais déjà quelles conséquences vont avoir ces choix sur l'avenir des épisodes. Donc ça n'a en fait aucun intérêt. Je trouve que refaire le jeu n'a pas beaucoup d'intérêt, à part quelques scènes comme le début de l'épisode 4, épisode 5 aussi. Il y a plein de petits moments qui sont très intéressants à refaire, mais en tout cas l'intérêt est beaucoup moins élevé que lors d'une première partie. Alors on a souvent reproché au jeu de justement d'avoir un manque de challenge, alors qu'on a une mécanique de jeu qui est très intéressante, qui peut proposer potentiellement beaucoup d'énigmes intéressantes. C'est le voyage dans le temps avec le rewind, et je trouve voilà, ça peut proposer des séquences intéressantes. On a d'ailleurs quelques énigmes qui sont plutôt bien foutues. Après, ça a tendance un peu à se répéter. Le challenge passe aussi par les choix que l'on doit faire. D'ailleurs, dans les commentaires développeurs, ils expliquent que certaines personnes voilà, passent 10-15 minutes sur certains choix. Même moi, ça m'est arrivé de beaucoup réfléchir sur ces choix. Même si on a la possibilité de faire demi-tour, on a juste la conséquence directe de nos actes. On ne sait pas ce qui peut se passer dans ces conséquences à long terme. Et c'est justement sur ce point que les choix se sont basés. Même si, paradoxalement, les choix ne sont pas très impactants. Effectivement, ça peut décider de la vie ou de la mort de certains personnages. Mais la narration globale va pas changer du tout au tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui ont beaucoup gueulé pour la fin, c'est-à-dire que bah, tous les choix qu'on a fait finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas eu beaucoup d'impact, mais pas nécessairement sur le choix final, parce que lui est totalement légitime de mon point de vue, mais que ce soit sur le reste de la trame ou justement les choix que tu fais sont pas très impactants, ça change peut-être voilà, le fait que tel moment du jeu va être plus facile à exécuter ou pas. Si par exemple on a tué le chien à un moment, eh bien il ne pourra pas nous faire chier à l'étape où on va voir Frank dans sa caravane. C'est plein de petits trucs comme ça. Après il y a des choix, effectivement, si tu sauves Kate, effectivement tu pourras aller la voir à l'hôpital, je trouve qu'il y a même une scène très intéressante. Mais le truc voilà, c'est comme tout jeu à choix. C'est-à-dire, une fois que tu refais le jeu, tu te rends compte justement voilà, que les choix que tu as fait n'ont pas beaucoup d'impact. C'est pour ça qu'en fait, ce genre de jeu, pour moi, c'est des jeux qui ont une rejouabilité assez limitée. Car c'est là que tu te rends compte des grosses ficelles du jeu et qu'au final, les choix que tu fais, soit parfois c'est même pas des choix et ça change juste un petit dialogue mais qui n'a pas d'incidence. Qui des fois d'ailleurs propose des dialogues intéressants. Par exemple, pour le choix de l'euthanasie, voilà, le fait de choisir oui ou non, ça donne un discours qui peut être intéressant de la part de Chloé. Après, voilà, c'est plein de petits détails comme ça, mais pour la trame globale, je trouve pas que ça a d'intérêt. Par contre, pour des petits dialogues qui peuvent être des détails finalement, mais qui sont intéressants à écouter, mais globalement j'ai pas eu l'impression de jouer à un autre jeu ou de jouer à une autre histoire. C'est toujours la même histoire mais avec des détails qui changent. Justement, le fait que Life is Strange ne soit pas un jeu avec un gameplay très sophistiqué, qui paradoxalement a pourtant une mécanique que je trouve plutôt intéressante, un peu sous-exploité effectivement, mais après, est-ce que c'est ça qui fait que le jeu soit mauvais? Est-ce que c'est vraiment un défaut? Est-ce qu'un jeu est forcément voué à être une œuvre où il y a du challenge, où il faut une certaine skill pour atteindre la fin? Et donc, est-ce qu'un jeu sans challenge est un jeu? Alors après, c'est ça le truc, c'est qu'on atterrit, qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Bah, essayer de me donner une définition globale du jeu vidéo, c'est. Il y en a qui se sont essayés, hein. En général, voilà, les gens émettent une définition en fonction de leurs affects, en fonction de ce qu'ils pensent eux-mêmes du jeu vidéo. D'ailleurs, moi, je laissais parler Michel Kor, un des réalisateurs du jeu, qui nous parle un peu justement du jeu vidéo, et lui, il utilise des références comme D-Rester. Donc, D-Rester, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où tu marches et tu lis des pancartes. Mais mine de rien, le fait juste de marcher, de décider de à quel moment on déroule les pensées du personnage et de ce qu'on va regarder, amène quand même déjà un peu plus que d'avoir vu ça en film, par exemple. Donc, il y a vraiment un côté, quel que soit le degré d'interactivité, le degré de gameplay, le type de jeu, il y a vraiment cette interactivité et cette action. Voilà, c'est très difficile de donner une définition de jeu vidéo. Et je pense qu'il est nécessaire de ne pas enfermer le jeu vidéo dans une définition, de ne pas enfermer le jeu vidéo dans quoi que ce soit. C'est-à-dire, un jeu vidéo, ça peut être n'importe quoi. Et ça sert à rien de dire, ah, ce jeu, il est pas bien parce que, regardez, il n'a pas ces fonctionnalités que devrait avoir un jeu vidéo. Là, on atterrit, je pense, dans ce qu'il faut surtout pas faire. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer de formater de ce que devrait être le jeu vidéo. Ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire, Life is Strange, effectivement, il a un gameplay qui est assez minimaliste. Et pourtant, le jeu a été adoré. Ça prouve que finalement, qu'on a proposé comme expérience, qu'on a proposé comme gameplay, qui est un gameplay évidemment simple, d'exploration, d'interaction, de dialogue et de puzzle, de puzzle facile en fait avec le retour dans le temps, ça n'a pas empêché des joueurs peut-être parfois plus exigeants sur les mécaniques de gameplay de profiter du jeu et de l'aventure. Ce déroulement aussi se caractérise surtout par des thèmes forts justement qui sont comptés tout le long des épisodes. Et ce qui est vraiment intéressant avec ces sujets, c'est que d'un côté ils sont traités de manière impartiale. On a beaucoup de sujets assez graves, assez durs, comme l'euthanasie, le suicide, le harcèlement, le cyberharcèlement, même la drogue. Tous ces sujets sont traités de manière assez juste. Et il n'y a pas de forçage, je trouve. Et voilà, il n'y a surtout pas de parti pris. C'est pas à regarder, elle fume et c'est mal la drogue, oulala, c'est pas gentil. Quand j'en ai parlé
comparait justement à des gens qui utilisaient des substances illicites ou psychotropes, il disait justement que cette utilisation qui est faite dans le jeu, bah voilà, elle est plutôt en accord avec l'utilisation réelle. Et pourtant, même si pour le coup de l'euthanasie, quand justement on refuse l'euthanasie sur Chloé, eh bien elle va justement proposer un discours qui est, je trouve, très intéressant sur l'intérêt justement de rester en survie. Est-ce que c'est un intérêt même envers les proches de voir quelqu'un souffrir ? Je trouve ça très intéressant. Mais il y en a vraiment des moments dans le jeu qui m'ont un peu surpris. Genre le moment typiquement où Warren défonce la gueule à Nathan. Voilà, parce que Warren était un peu bâché par ses petits camarades de classe. Déjà, je la trouve assez violente, mais on peut accepter justement de laisser Warren le tabasser. Et là, mais c'est une scène, je trouve, d'une violence extrême. Enfin, il y a Warren qui est limite en train de se défouler sur Nathan, mais limite une scène aussi violente, je crois qu'il y a que dans Irréversible que j'ai vu ça, avec la scène de l'extincteur. C'est une comparaison assez hyperbolée pour le coup, mais franchement, ça m'a vraiment fait penser à ça. Bon bref, pourquoi Life is Strange est aussi génial dans son déroulement ? C'est parce qu'il réussit à lier magnifiquement une ambiance calme et reposante, voilà. C'est un jeu où on prend notre temps, c'est un jeu où on va à notre rythme. Si t'as envie de foncer, voilà, en plus j'ai un très bon exemple, c'est-à-dire au moment où vous sortez de Blackwell, au moment où vous êtes dans la cour, rien ne vous empêche d'aller directement à gauche et de quitter cette cour et pour aller directement vers les dortoirs. Alors qu'il y a plein d'interactions possibles à faire ici, mais rien ne vous empêche de le faire. Et même tout simplement contempler, parce que c'est un jeu très contemplatif. Et surtout, avec le fait que la caméra soit lente, voilà, dès le début, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'est vraiment que la caméra était très lente. Donc c'est vraiment un jeu qui vous force, limite, à être lent. C'est pas un jeu qui vous dit, allez, vite, dépêchez-vous, là, vite, la caméra est très réactive, vous pouvez foncer. Non, c'est un jeu lent. Et c'est très agréable, bordel de merde. D'ailleurs, quand j'en vois qui me disent qu'un épisode dure 2 heures, je me dis, bah, on n'a pas joué au même jeu, parce que moi, j'ai mis 4 heures sur chaque épisode. Donc 4 heures, ça, 4 x 5, ça fait plus de 20 heures de jeu. Et voilà, cet aspect reposant est allié avec des thématiques violentes et dérangeantes, et pourtant qui sont traitées de façon très juste. Et donc maintenant, nous allons passer à la partie analyse de cette vidéo, en commençant par le personnage de Max. Max Caulfield, alors qui est-elle ? Max Caulfield est une étudiante qui revient 5 ans après dans sa ville natale, après être partie à Seattle, et qui donc va aller à Blackwell, parce que dans cette école, il y a évidemment des études de photographie, et en plus, il y a Mark Jefferson, et Mark Jefferson, c'est un super photographe, elle l'adore, et en plus, c'est un prof là-bas, donc c'est génial. Donc elle va devoir recommencer sa vie à zéro. Alors, maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Pourquoi j'adore ce personnage de Maxine ? Max. Never Maxine. J'ai refait le jeu et j'ai réessayé d'analyser un petit peu le personnage. Alors on va commencer par le commencement. Alors au début du jeu, comment est introduite Max ? C'est introduite comme un personnage assez timide, assez réservé. Quand Mark Jefferson lui demande justement sa putain de photo pour le concours, elle est là. Do I have to ? I just don't think it's that big a deal. On sent qu'elle est pas très confiante avec elle-même. The first step for any artist is to put themselves out there in the world without fear. To be innocent. Or guilty. Après, il y a la séance dans le couloir où justement elle met sa musique, voilà, pour traverser le couloir et aller dans les toilettes. The use of music here is really important, is as Max feels insecure in this atmosphere. We wanted her to isolate. Donc voilà, elle a besoin d'être seule parce qu'elle se sent insécure. Et justement, Max va justement dans les toilettes pour, comme elle dit, elle craquer. Et donc voilà, à ce moment-là, elle se dit, je suis vraiment nulle. Hop, elle déchire sa photo parce qu'elle pense qu'elle est nulle à chier et que ça ne vaudra pas pour le concours. Alors qu'on sait que dans une réalité parallèle, cette photo aura été prise justement. Son boulot n'est peut-être pas si merdique qu'elle le laisse entendre. D'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette réalité alternative, au moment où elle va revoir sa photo, t'as des, justement les gens qui disent, ah, tiens, voici Max, il nous fait le plaisir de venir. Et là, elle offre aussi un moment très gênant. Hi, and there she is to save the day. Hi. Un petit salut, mais de manière voilà très timide. Et c'est ça qu'on adore chez Max finalement, c'est ce côté un peu timide, un peu réservé, qui a du mal à communiquer avec les autres. Et d'ailleurs, ça, on le retrouve assez régulièrement dans le jeu. C'est ces petits détails. C'est toujours des petits détails. Hein. C'est pas des gros dialogues où justement voilà, on se dit bah elle discute tout à fait normalement. Mais voilà, c'est toujours des petits détails. On a aussi le moment où Chloé danse sur son lit. Il y a Chloé qui justement demande à Max de danser et Max a cette inertie un petit peu mécanique, un petit peu trop hésitant, un petit peu même trop calculé. Voilà, on sent qu'elle essaye de danser, mais finalement, alors vous allez me dire ah là, ouais, tu cherches vraiment les petits détails, franchement. Mais là, non, parce que si on revient justement dans le cauchemar de fin, cette allure, en tout cas, qu'a Max, est recritiquée par Chloé elle-même, enfin, la Chloé inconsciente de la tête de Max qui est dans le cauchemar de la fin, si vous avez bien compris ce que j'ai suivi, parce que j'ai rien compris ce que je viens de dire, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Chloé qui lui dit « See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Ready for the mosh pit, shaka bra. » Maybe not. Voilà, il y a plein de petits extraits, genre au Vortex Club, là, au moment où justement elle entre dans la soirée du Vortex Club, il y a un plan qui est parfait, je trouve, qui résume parfaitement Max. C'est un plan que j'ai retrouvé comme par hasard, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, mais putain, mais tout est résumé en fait. C'est incroyable. Je vous le passe. Voilà, c'était juste ce plan-là, mais bordel, qu'est-ce qu'il est réussi. On va revoir. Là, vous faites bien attention aux yeux un peu vitreux, justement, de Max. Le côté un peu balançant de sa tête au moment où elle tourne. Un peu ce côté un peu perdu, justement. Ce côté un peu paniqué. Ce côté un peu, je suis perdu, qu'est-ce que je fous là. Et regardez maintenant.
ils arrivent à faire passer tellement de messages. Le travail fait sur les expressions du visage sur ce plan, elles sont incroyables. Et pourtant, voilà, techniquement, c'est un jeu qui, sur les animations faciales, sont pas toujours top, mais là, pour le coup, rien à dire. Et voilà, on a encore beaucoup d'autres situations, genre la relation avec Warren, qui est très intéressante, je trouve, tout au long de l'épisode, parce qu'il y a une espèce de progression. Vous regardez dans l'épisode 1, au moment où Max donne la clé à Warren, t'as Warren qui veut faire un enlacement, et justement, Max lui fout un vent énorme, et il fait mine de ne pas avoir vu, d'accord, cet aspect un peu, genre, Warren, c'est juste mon ami. D'ailleurs, on le voit au cours de l'épisode, hein, quand il y a certaines personnes qui lui demandent, ah, t'es ami avec Warren? Ouais, mais c'est juste un ami, hein. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Si on regarde à la page 27 du journal intime, elle dit « J'espère qu'il ne va rien tenter. Pas qu'il soit intéressé, calme ton ego. » Bon, là, elle doit se parler elle-même. Donc, elle doit se dire « Bah, de toute façon, il n'est même pas intéressé. » Donc, voilà, encore un manque de confiance en soi. On a beaucoup en commun, mais je considère Warren comme mon frère geek super sympa. Ouch. That means friend zone. Ou le refus de passer à l'acte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, Max sera un peu plus explicite par rapport à ça. Genre, dans l'épisode 3, quand elle est dans la piscine avec Chloé, justement, elle dit « Ew. » I don't want any Blackwell bros over me. There's a couple cute guys there, but they probably think I'm a total nerd. Nerds are hot. You just don't have any confidence yet. Ça, c'est très intéressant. Encore une fois, voilà, le manque de confiance de Max. Et encore plus tard, dans l'épisode 4, justement, si vous avez sauvé Kate, Kate vous parlera de Warren. You know he likes you. A date seems weird. No, you deserve that. I'm glad somebody is looking out for my love life. What? Attends, depuis le début du jeu, c'est limite si Warren c'est la friendzone-like. Et là, elle essaye justement de... Bah, c'est la première fois qu'elle parle de, justement de vie amoureuse. On sent qu'il y a une certaine progression de Max sur ce côté-là. C'est très intéressant, je trouve. Et au dernier épisode, pour le coup, là, il est vraiment possible d'embrasser Warren, ce qui est incroyable. Just in case we don't get out of this, I wanted to say... I know, Warren. Of course you do. Et aussi, on voit un petit peu que ce pouvoir de voyager dans le temps, en fait, il est intéressant dans le sens où ça permet justement de changer un petit peu cette Max. Your power is changing everything, Max. Especially you. You're not so chicken shit anymore. Et de la rendre un peu plus indiscrète. Justement, discrète, indiscrète, vous avez compris, là, l'espèce de non-antonyme qui existe. C'est-à-dire, voilà, elle était discrète, voilà, c'était quelqu'un de discrète. Et là, elle devient indiscrète, c'est-à-dire, voilà, elle se mène un peu de tout. Elle fait un peu sa curieuse, finalement. Elle fait un peu son enquêteuse, qui permet, par exemple, de fouiller n'importe quoi. Si elle dit une connerie ou si elle fait une connerie, hop, petit rewind, personne n'a rien vu. I just wanted to see what would happen if I did this. I'm gonna kill you. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une discussion où justement, je ne sais plus avec quel personnage, mais justement, où elle lui dit... Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. Et ça, c'est très intéressant. Ça souligne un peu l'hypocrisie de Max. Elle qui, finalement, s'en foutait toujours de tout le monde ou, du moins, n'osait pas approcher les gens. Et maintenant, avec ce pouvoir, finalement, s'amuse à approcher un peu des gens. Et finalement, bah, ces gens eux-mêmes se surprennent. Me disent, bah, attends, mais qu'est-ce que tu nous fais? T'étais toujours dans ton coin et maintenant, tu sors. Et ça, c'est très intéressant. Bref, on va pas rester 3 ans dessus. Et des fois, elle a des réactions, mais qui sont assez étranges comparées, justement, à ce qu'elle renvoie en apparence, comme cette scène. Somebody's either having sex or throwing up. Or both. Ugh, Max. Comment un esprit aussi innocent que celui de Max peut avoir des pensées aussi abjectes? Et ça, c'est tout à fait intéressant. Extérieurement, Max a l'air tout à fait d'être une petite naïve innocente, alors qu'en fait, dans sa tête, c'est un esprit complètement dégueulasse et malsain. Donc c'est un exemple typique d'une personne pas restant innocent, mais pensant les pires trucs possibles. Comment un esprit aussi vierge peut penser des trucs comme ça? Il ne faut pas se fier aux apparences, apparemment. Et ça, c'est intéressant, ça me permet de basculer sur le personnage de Chloé, parce que Chloé est un personnage super important. Justement, le moment où ils sont à la décharge... I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boohoo, Max is afraid. Limite, elle se fout de sa gueule. C'est clairement, en fait, la rencontre de deux personnages qui étaient très amis, qui avaient des points communs quand ils étaient plus jeunes. Et là, pour le coup, voilà, Chloé a tellement évolué avec tout ce qui lui est arrivé. Maintenant, voilà, c'est deux personnes qui n'ont plus rien en commun et pourtant qui s'adorent. C'est typiquement une relation très opposée. Mais on parlera un petit peu plus de leur relation dans la dernière partie. Et je reparlerai aussi un peu de Max en conclusion, car il y a encore d'autres trucs à dire. Mais on va laisser ça pour le final. Tout ce que j'ai à dire sinon sur Max, ça fait vraiment du bien de voir ce genre de personnage, surtout en tant que personnage féminin, parce que des personnages féminins, la majorité, soit c'est des personnages sexués, soit c'est des personnages armoire à glace. De toute façon, dans le jeu vidéo, des personnages armoire à glace, ça compose a priori 90% de la population personnagique. Donc ça fait du bien de voir des personnages comme Max, qui finalement sont badass dans leur innocence. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, j'aime très bien, ça c'est parfait. Je pense que ça termine très bien cette partie, donc maintenant on se retrouve pour... I know this isn't easy, but it's time for you... And me to let the past go. We have to focus on our future while we still have one.
That's so easy for you to say. Passons à cette dernière étape. Nous allons décortiquer plusieurs trucs, notamment au commencement du cauchemar. Parce que c'est, je pense, quand le cauchemar commence, que les thèmes finaux commencent à fleurir et à expliciter l'ensemble de l'œuvre Life is Strange. Alors, je ne vais pas faire une analyse complète de toutes les scènes, parce que là, on risquerait d'y passer la journée. Donc, j'ai choisi quelques petits moments qui appuyaient mon argumentation. Donc, au moment où justement on est dans ce cauchemar, et notamment pendant la soi-disant phase d'infiltration, eh bien, on revoit les personnages du jeu, mais de façon très délirante, mais toujours avec une espèce de part de vérité, ce qui rend la chose très creepy, et on se demande, mais est-ce qu'on pense vraiment ça? Est-ce que les gens pensent vraiment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si bizarre? Justement, dans ce cauchemar, voilà, tous les traits sont exagérés. Par exemple, Warren, il est plus insistant qu'en réalité, et lui force plus la main sur leur relation. Donc finalement, c'est un peu un message envers Max ou envers elle-même, finalement, si c'est dans son inconscient, se prendre ses responsabilités et à ne pas avoir peur, justement, de continuer cette relation un peu plus loin. Voilà, il y a quelques personnages qui nous reprochent certaines anciennes actions. What kind of sick mind would steal money from the handicap? Oh, did you get all hot and bothered when your wimpy boyfriend gave me a beat down? You can't escape Max, you're way more disturbed and dangerous than me. Ce cauchemar, finalement, puisque là on est dans l'inconscient de Max, et ça montre un peu les peurs de Max en version exagérée. Qu'elle a peur que Warren soit trop insistant sur leur relation, elle a peur que ses actions durant l'aventure lui portent préjudice. Et finalement, cette séquence canapé, comme je l'appelle, souligne un peu ce côté jaloux de Max. Ça montre qu'elle est envieuse du caractère extraverti de Chloé. Elle a peur de la perdre. Donc c'est un peu un fantasme aussi, encore une fois, de Max. Être un peu poussé au cul. C'est quelqu'un qui a du mal à sortir avec Chloé, peut faire un peu ce qu'elle veut finalement. C'est un peu des sentiments refoulés, même si des fois elle dit « Ouais, non, je peux pas trop faire ça. » Mais voilà, et pourtant elle continue toujours à rester avec Chloé. Parce que je pense qu'au fond d'elle, elle aimerait être un peu justement comme Chloé. Avoir cet aspect un peu extraverti. Et puis on finit voilà avec notre Max Némésis, comme j'aime l'appeler. Voilà, nous on arrive devant elle, on est exténué, on voit la gueule de Max. Et là t'as notre Max Némésis qui est complètement froide. Justement, ce qu'on remarque, c'est que il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans Life is Strange. Ils sont tous mauvais. Bon, quand justement elle dit qu'elle a essayé d'aider les autres, justement son Némésis lui dit qu'elle a juste voulu être populaire et que finalement ses pouvoirs qu'elle avait, ça lui permettait juste d'être mieux vue par les autres et de faire croire qu'elle se souciait des problèmes des autres, alors qu'en fait, d'ailleurs comme on l'a vu au tout début avec Max, quand elle parlait justement à l'autre dans le dortoir, elle lui répondait, mais pourquoi tu viens me parler? Tu me parles jamais, qu'est-ce que ça peut te foutre? Et ben là, en fait, c'est exactement ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire que t'en as limite jamais rien à foutre des autres et c'est maintenant que tu vas t'en soucier, ce qui est totalement hypocrite. Et après, elle dit justement, I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear, you were just looking for a shortcut. Because you can't make friends on your own. Voilà, donc là on est un peu sur le côté un peu réservé de Max qui a du mal à approcher les gens ou a du mal, comme on le voit d'ailleurs beaucoup avec Warren, justement elle a du mal à faire évoluer leur relation. Et puis elle répond, That's not true. I have great friends and I've used my powers for good. Please stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. C'est ça qui est intéressant, parce que d'un côté, quand on est dans l'histoire, on se dit, putain, mais on a envie de sauver Kate, on n'a pas envie d'être méchante avec tel personnage. Bah moi, en tout cas, dans ma première partie, j'avais pas vraiment envie de faire chier le genre, j'avais envie d'avoir des relations harmonieuses, pas avoir des relations où genre on se met sur la gueule. As if you cared about them. Dans tous les cas, de quoi que vous fassiez dans Life is Strange, ce serait forcément hypocrite. Max utilise ce pouvoir justement pour améliorer un peu sa vie. D'un côté, elle essayait justement de rendre les relations mais meilleures pour elle. C'est justement ce pouvoir qui lui permet un peu de supplanter cette timidité. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que voilà, la discussion ne se termine pas ici. Il y a encore un truc très très intéressant qu'elle dit. Parce que justement, après, on lui parle de Chloé, on peut lui répondre que c'est ma meilleure amie, entre guillemets, puisque elle me répond très légitimement. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Alors c'est quand même assez bizarre qu'une personne abandonne sa meilleure amie pendant 5 ans. Puis qu'elle revient comme ça, hop, je reviens. Ah bah ça va si bien, Chloé. Ah bah tiens, on va rattraper le temps perdu. Non mais, il y a comme un problème en fait. Et là, on repart justement après dans la phase où on va se souvenir de tout ce qu'on a fait avec Chloé. Ce qu'on vient d'entendre justement est censé nous modifier un peu cette vision qu'on a sur ce parcours. Parce que c'est pas juste le parcours, ah là là, on va voir nos souvenirs avec Chloé, ça va être génial. Mais non, parce que qu'est-ce qu'elle vient de nous dire? Elle vient de nous dire quand même que Chloé, elle nous martyrise, syndrome de Stockholm, limite elle est plus dangereuse que Jefferson, donc en termes de menaces, c'est violent. Et là, qu'est-ce qu'on a comme phase? On a la phase où justement on va revivre tous les souvenirs avec elle. Alors sur le coup, moi quand j'ai fait le jeu, j'ai pas vraiment fait attention, mais là quand j'y repense, je me dis, mais c'est violent quoi. Enfin, mais c'est qui celle-là? Pourquoi elle se prend? Pourquoi elle dit ça? Chloé, c'est vraiment une menace? Bah pour le coup, oui, parce qu'il y a quand même eu un paquet d'emmerdes à cause d'elle. Faut le dire, hein. Le nombre d'emmerdes dans le jeu est 90% à cause de Chloé. C'est un fait. Elle nous emmène dans des trucs n'est pas possible. Vous regardez, épisode 1, l'épisode du joint. Donc elle nous force, limite, à nous dénoncer parce que c'est soi-disant notre joint. Épisode 2, elle nous donne le flingue et il y a Frank qui arrive et on sait plus quoi faire. Voilà. L'autre, elle se bloque dans les rails, on est obligé de la sauver. Épisode 3, qu'est-ce qu'on a dans l'épisode 3? On va à la piscine. Ah bah merde, il y a
y a quelqu'un qui arrive. Non mais elle se fout de qui? C'était surveillé et tout, et nous on arrive comme ça. Et bien sûr Max, toute gentillette, elle accepte. Non mais franchement, et puis bien sûr elle explose la porte évidemment. Elle déclenche l'alarme à cause de Chloé. Enfin c'est génial. Épisode 4, c'est là où il se fait enlever. C'est là où il y a Mark Jefferson qui tue Chloé. D'ailleurs mais c'est pas remis dans les souvenirs, c'est ça qui est très bien foutu. C'est-à-dire que dans les souvenirs t'as pas les souvenirs genre oh mon Dieu il y a Chloé qui a fait une connerie ou qui nous fait chier, qui nous amène dans des traquenards. C'est toujours que des souvenirs positifs. Enfin je crois, hein. Si je me rappelle bien, je me rappelle pas avoir vu de trucs très négatifs. Alors que justement, comme le rappelle notre Max Nemesis, nous on met dans un paquet de traquenards qui est assez violent, surtout pour quelqu'un, soi-disant, entre guillemets, notre meilleur ami, alors qu'on l'a abandonné pendant 5 ans. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'on est à Blackwell, et on ne l'avait toujours pas vu, et on la rencontre totalement par hasard. Là, le jeu commence à nous remettre en question sur les choix qu'on a fait. Est-ce que c'était vraiment bien de faire ça? Est-ce que finalement, c'était pas un peu mentir que de revenir en arrière et de dire quelque chose au fait qui plaît aux gens? Est-ce que certaines de nos actions n'étaient pas justement complètement égoïstes? Là, on a un début de réflexion, et finalement, voilà, ce n'est que le début de la fin, parce que là, on commence véritablement au choix final, sacrifier Chloé ou sacrifier Arcadia Bay. Et là, on est face à un choix très très intéressant, même si, à première vue, évidemment, si vous lisez ce truc au premier degré, vous vous dites c'est de la merde. Mais on va essayer justement de décortiquer cette fin pour comprendre. Alors, on a un choix qui nous dit de sacrifier Chloé, donc ce qui veut dire que tout ce qu'on vient de faire avant n'existe plus, puisque, voilà, on revient dans le temps pour la laisser se faire tuer, donc ce qui est finalement horrible. Et de l'autre, on a sacrifié Arcadia Bay, où justement, on continue de rester avec Chloé parce que, bordel de merde, on l'a sauvé un nombre de fois incalculable, et on va pas rester là et à juste la laisser mourir comme une merde. Mais en contrepartie, on tue tout le monde. Et on se barre comme si de rien n'était. Ce qui se passe, c'est que le voyage dans le temps n'existe pas. Ça, c'est clair. Ça n'existe pas. Tout le jeu, finalement, n'est qu'un fantasme. Et même le voyage dans le temps lui-même est un fantasme. Le fantasme de pouvoir voyager dans le temps. À partir du moment où Chloé est morte, le jeu bascule dans un mode fantasme, dans un monde qui n'existe pas finalement, dans un monde complètement imagé, dans un monde où le rewind, où le voyage dans le temps existe. Et c'est à ce moment-là où justement, on n'est plus dans la réalité. On n'est plus dans la réalité du jeu. Parce que Chloé est morte finalement depuis tout le début. Et donc ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé après finalement n'existe pas. Et c'est un énorme fantasme que Max met dans la tête en essayant de se dire non, Chloé n'est pas morte, regarde, je peux la sauver. Parce que Max ne voulait pas justement voir que Chloé était morte. Non, elle ne l'acceptait pas. Ça faisait 5 ans qu'elle l'avait pas vue, elle l'avait abandonnée, sacrifiée Arcadia Bière, reviendrait à dire, donc sauver Chloé, et donc continuer justement dans ce fantasme, dans ce rêve. D'ailleurs, cette fin, la fin, Chloé ne meurt pas, on est face, voilà, à une ville complètement détruite où tout est mort, et pourtant, voilà, t'as toujours ces animaux symboles qui font penser un peu aux esprits qu'on pourrait voir, donc cet aspect un peu morbide finalement, où il n'y a plus personne vivant, et ce qui reste finalement, ce sont des esprits. Alors que l'autre fin, justement, Max accepte enfin de grandir, d'accepter la mort de Chloé, et donc elle revient au tout début de l'épisode, elle se dit, bon d'accord, je retourne là, et j'arrête d'utiliser mon pouvoir, donc ce qui revient à dire, j'accepte que Chloé soit morte, ce qui donne voilà la scène à l'enterrement, etc., qui sont puissantes en termes d'émotion, effectivement. Et ce qui est très intéressant durant cette fin, c'est surtout à la toute fin, où on voit justement où Max voit le papillon bleu, donc qui représente l'esprit de Chloé, qui était visible déjà dès le début de l'épisode 1, justement dans les toilettes, qui signifiait déjà la mort de Chloé. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que Max sourit à la fin, alors que tu te dis, bah pourquoi elle sourit? Elle est devant la tombe de Chloé, sa meilleure amie. Il y a une très bonne raison à ça, c'est tout simplement au moment où Chloé part, justement. Chloé ne dit pas surtout oublie-moi, machin, c'est surtout le contraire en fait. Don't you forget about me. Never. Un des messages principaux, c'est la question du deuil. Max a eu très beaucoup de mal à accepter ce deuil. Et là, elle l'accepte enfin, et ça se traduit justement par le fait que, voilà, qu'elle sourit, et que finalement, le fait qu'elle soit décédée n'est pas une fin en soi, que la vie continue. Et ça rappelle aussi un peu cette relation qu'avait Joyce avec William, où justement, elle gardait plein de petits objets ou de photos en rapport avec justement William, mais de façon, voilà, à se rappeler des souvenirs, à se rappeler les bons moments. Et c'est ça le message du jeu, finalement. C'est-à-dire qu'on a un proche qui est décédé, effectivement, on aurait voulu passer plus de temps, on aurait voulu, justement, rattraper ce temps perdu, parce que Max, ça fait 5 ans qu'elle ne l'a pas vu, elle revient, elle l'avait limite abandonné Chloé, elle revient, elle se fait descendre devant elle. Et ça, c'est très dur, finalement. Ce que fait Max, c'est justement, elle essaye de composer sa propre réalité des choses, où Max se fait l'idée de pouvoir revivre plein de moments avec Chloé, qu'elle a abandonné pendant 5 ans, mais que finalement, elle ne pourra pas revivre, qu'elle ne pourra pas vivre tout court, plutôt que d'affronter la vérité. Cette fin, c'est vraiment le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire voilà, le moment où Max accepte cette mort et essaye d'en garder des bons souvenirs, et ne pas justement que ça finisse en regret, plutôt que finalement de faire une vie qui est remplie de déni. Et finalement, voilà, Life is Strange, c'est une succession d'instants nostalgiques. Tout au long, t'as Max qui va essayer de se rappeler de souvenirs fantasmés, de souvenirs qui n'existent pas, en les raccordant à ceux qu'elle avait eu plus jeune, justement, quand elle était encore amie avec Chloé. Et ces souvenirs-là, justement, c'est au moment de l'enterrement, elle s'en rappelle et elle sourit
Maintenant qu'on sait que Chloé, effectivement, est morte depuis le début, le fait qu'elle nous martyrise tout le long, effectivement, c'est là, elle nous emmène dans des traquenards pas possibles, tout ça, c'est justement, en fait, son inconscient qui la martyrise, de façon imagée, c'est-à-dire que ce fantasme-là se transforme en une énorme tempête, en Jefferson qui la kidnappe, alors que finalement, si justement elle aurait rien fait, Nathan aurait été arrêté, Jefferson aurait été dénoncé, machin, donc il n'y aurait pas eu ça, donc c'est toute une étape où, justement, elle arrive à un stade où elle est complètement désemparée. Le fantasme de Max va se changer un peu en cauchemar, finalement. D'ailleurs, voilà, on a dans un cauchemar à la fin. L'histoire de l'officier, même si elle a l'air tranquille et tout, mais c'est une succession d'horribles choses finalement. Inconsciemment, Max pense toujours que Chloé est vivante, en changeant un peu la réalité à sa manière, et au final, son inconscient lui dit hey, ferme ta gueule. Et voilà, et même à la fin, elle essaye justement de résoudre, de dire non, attends, c'est encore possible de sauver tout. Dans le dernier épisode, elle voyage quand même, j'ai compté 9 fois dans le temps. En fait, dans l'épisode 5, c'est clairement la caricature de l'ensemble de l'œuvre finalement. Elle essaye de vivre dans un monde parfait, elle essaye d'avoir des relations parfaites avec les gens. Moi, c'est un peu la relation que j'ai eue avec le jeu, c'est-à-dire, voilà, j'essayais toujours de faire du mieux possible, d'avoir des vraies relations, j'ai pas envie de m'engueuler avec telle ou telle personne, voilà, j'ai envie, voilà, d'aider Kate, j'ai envie d'aider les gens, et au final, mais c'est complètement déconstruit, parce que ça n'existe pas. Et on le voit aussi par des petits événements, si vous essayez d'arroser la plante à chaque épisode, eh bien, au troisième, elle sera crevée. Ou encore, par exemple, dans l'épisode 4, si vous essayez d'avertir Victoria de ne pas se faire kidnapper, eh bien, ça aura pour conséquence qu'elle soit kidnappée. Alors que si, justement, vous ne lui dites rien, elle ne sera pas kidnappée. D'ailleurs, je prends comme exemple, justement, la jaquette, on a une version assez photoshopée, assez perfectionné sur le visage de Max, alors que moi je le trouve juste complètement dégueulasse. Et pourtant, j'en vois plein qui l'utilisent en tant qu'avatar. Je ne sais même pas à quoi ça correspond en fait. À aucun moment dans le jeu on a une version de Max comme ça. Et je pense que ça résume un peu justement le message du jeu. Max a envie de perfectionner sa vie. Et ben là aussi, on a envie de perfectionner la photo avec du Photoshop. Et ça devient bizarrement complètement dégueulasse. Et bien sûr, on le met sur la jaquette. Comble du truc quoi. Et donc voilà, le monde parfait de Max, j'avais même failli titrer cette critique comme ça. Et tous ces fantasmes qu'elle a sont balayés par la tempête qui correspond à la réalité des choses. Et la réalité des choses, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle balaye, elle écrase tout. Et Max est censé justement retrouver ses esprits et se dire, bon, d'accord, j'accepte la réalité, j'accepte que le monde ne soit pas parfait, j'accepte de ne pas être aussi ouverte que je l'aurais envie, et donc j'accepte de vivre la vie qui est véritable, qui est la mienne et qui existe. Et non pas, voilà, le fait, si vous choisissez le temps, si vous choisissez le temps, vous choisissez le fait de ne pas accepter cela, on choisit de détruire la ville, on choisit de détruire une partie de nos fantasmes finalement, d'avoir des relations parfaites. On a essayé justement de parfaire nos relations, par exemple avec Warren, et on les tue comme des grosses merdes. Au-delà de ça, on voit aussi le fait que Chloé, le fait de l'avoir abandonnée 5 ans, c'était peut-être pas une bonne idée non plus. Regarde, elle est devenue complètement délinquante. On est quand même face à une personne qui est complètement dangereuse, qui a des relations dangereuses. Et finalement, est-ce que le fait d'avoir laissé Chloé seule pendant 5 ans, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne pense pas. Et voilà, elle essayait justement de réparer ses conneries, de se dire ah là là, il faudrait que j'essaye de rendre Chloé un peu plus heureuse. J'aurais peut-être pas dû l'abandonner. Tiens, je vais essayer de sauver son père dans le passé. Merde, j'ai fait une connerie parce qu'elle est encore moins heureuse maintenant. Et voilà, elle essayait de réparer ses erreurs qu'elle aurait dû réparer 5 ans auparavant. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est en soi, c'est à cause de Max que Chloé est délinquante. Et donc, c'est à cause de Max que Chloé a été tuée. Puisque Chloé a été tuée parce qu'elle est délinquante. Indirectement, certes, mais c'est elle qui l'a tuée. Parce qu'elle l'a abandonnée pendant 5 ans. Ce qui a fait que Chloé est entrée dans une phase très très dure de sa vie. Où justement, elle a perdu Max. Elle a perdu son père. Voilà, Max qui finalement est un égoïste sans nom d'avoir abandonné Chloé pendant 5 ans alors que c'était soi-disant deux meilleurs amis. D'ailleurs, on a un message assez paradoxal dans le jeu, justement. Parce que d'un côté, on nous dit qu'il faut continuer à aller de l'avant, il faut regarder l'avenir et justement pas trop rester sur ses regrets. Mais il faut quand même regarder derrière pour pas laisser les gens dans la merde. Nos amis dans la merde, dans le cas précis. Et c'est ça qui est intéressant parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui aime bien délaisser mes amis, en fait. Donc je fonctionne un peu comme Max, finalement. C'est-à-dire, voilà, je vais à un nouvel endroit et ben je recommence une nouvelle vie. Point. Après, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Mais c'est ça, c'est tout propos du jeu finalement. Est-ce que abandonner ses amis lâchement est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment une si bonne chose que de rester à regarder l'avant et ne pas regarder en arrière? C'est une des questions que soulève le jeu. Oh. That was easy. No. It wasn't easy at all. Donc là, on atterrit à la conclusion. C'est la partie où j'ai le plus réfléchi finalement parce que je ne savais pas quoi dire en fait. Déjà, voilà, c'est un tout Life is Strange. Mais il y a un truc qui fait que Life is Strange, mais en fait, je le savais depuis le début, mais je doutais encore de ça, mais entre le moment où j'ai fini Life is Strange et au moment où je vous parle, il y a un monde. Et j'ai vu plein de films sur l'adolescence. J'ai dit, majoritairement bien aimé. Il y a tellement de films qui sont intéressants sur ce sujet, et ils sont intéressants sur plein de sujets différents, de détails différents. D'ailleurs, il faudra peut-être que je me limite que je fasse une vidéo sur tous les films que j'ai vus sur ce sujet, et d'en refaire une vidéo.
Eh, bah, vous me dites si ça vous intéresse. Si je devais retenir 5 films dans tous ceux que j'ai vus, je retiendrais The Breakfast Club de John Hughes, qui a aussi fait La Folle Journée de Ferris Bueller. Je retiens aussi La Vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Et surtout Naissance des Pieuvres, premier film de Céline Sciamma, qui a aussi fait Tomboy, que je recommande aussi. Je pourrais aussi citer Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain et American Beauty, et vous avez la moitié de mon top 10 actuel de mes films préférés. Bon, je vais pas donner mon avis sur ces films maintenant, mais n'hésitez pas à aller voir mes listes que je fais sur Sens Critique, où justement je l'expose tous mes avis sur les films que je vois. Je vous mettrai le lien dans la description. Et aussi, n'hésitez pas, quand vous allez sur mon profil Sens Critique, n'hésitez pas à voir les critiques aussi que je fais. Parce que je ne fais pas que des critiques vidéo, hein, ça vous le saviez peut-être. Mais voilà, j'ai posté les deux dernières critiques que j'ai postées, il y a The Last Guardian et 999. N'hésitez pas à aller les voir si vous n'êtes pas encore assasi en termes de critiques de ma part. Mais merde, Life is Strange, de toutes les œuvres sur l'adolescence que j'ai vues, Life is Strange reste toujours au-dessus, pour une seule et bonne raison, et c'est justement en regardant ces films que ça a un peu confirmé ce que je pensais, c'est le personnage de Max. Pourquoi j'adore autant le personnage de Max et pourquoi j'ai fait une partie entière sur le personnage de Max? Parce que merde, de tout ce que j'ai vu, de toutes les œuvres que j'ai vues de ma vie, Max est le seul personnage auquel je m'identifie. Je dis bien le seul. Toutes ses caractéristiques, comment sa vie s'est déroulée, on dirait une espèce de miroir de ma propre vie. J'ai l'impression de me redécouvrir en voyant Max finalement, de me réexpliciter mes propres comportements et mon propre caractère. Et voilà, il y a plein de caractéristiques de situations qui soulevait des problèmes et des questionnements sur mon propre fonctionnement de vie. Life is Strange, c'est un jeu qui m'est très personnel en fait. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à parler de ce jeu. C'est d'ailleurs en lisant certains commentaires, voilà, il y en a qui écrivaient voilà, que justement l'œuvre leur avait touché, mais sur des points précis, dont moi ça m'a pas vraiment touché. Voilà, chacun a été touché par Life is Strange par des points différents. Chacun a été touché à sa manière sur Life is Strange, en fonction de ses propres expériences de vie. Je pense qu'il est vraiment très important de regarder des films et donc de jouer à des jeux. Et donc, tout ce qui s'attache à des univers fictifs, il est intéressant de se plonger dedans. Moi, j'ai toujours eu du mal à partager mes émotions. Et justement, ces œuvres que l'on parcourt permettent de mieux appréhender ce monde qui nous entoure, de mieux appréhender nos propres émotions et finalement de mieux nous appréhender nous-mêmes. Au début de la vidéo, quand je dis je sais pas pourquoi j'ai aimé le jeu, c'est tout à fait caractéristique du problème en fait. C'est-à-dire, je ne comprends pas mes propres émotions. Regarder des films, jouer à des jeux, lisez des livres, c'est très important pour son propre développement personnel. Et des œuvres comme Life is Strange ou The Tales Principle ont grandement participé à ma propre conception de voir la vie. Et sur ces belles paroles, eh bien moi je m'en vais dans d'autres horizons lointains, à la recherche d'autres œuvres intéressantes, à la recherche de ma propre conscience de vivre. Je vous dis bon voyage dans l'espace-temps intersidéral, dans lequel nous nous retrouverons pourquoi pas pour partager ne serait-ce que quelques bribes de discussions sur la vie, la philosophie ou la mort. Bonne journée et portez-vous bien. Mon meilleur ami est mort aujourd'hui. Dans l'abstrait, une mort humaine n'est rien, bien sûr. Une goutte d'eau dans un vaste océan. Mais le monde n'est pas abstrait. La réalité est toujours spécifique, douloureusement même. Et cet être humain bien particulier, qui n'a existé qu'une seule fois dans le vaste infini du temps et de l'espace, cet être humain était mon ami. Mais il ne reviendra pas, peu importe à quel point je le veuille. Alors, tout ce que je peux faire, au final, est de continuer à travailler. Parce que la spécificité, ce caractère unique de personne, de vraie personne, mérite d'être préservée.